résumé vous est proposé par Heineken et Lay's, sponsor de l'UEFA Champions League. Possibilité pour Timo Werner, décidément celui-là il n'est pas verni, ou alors c'est un petit peu de sa faute, mais des occasions pareilles, il en a eu quelques-unes. J'ai l'impression que le match vient véritablement de s'ouvrir, cette finale commence maintenant. Et ben voilà, tiens, la preuve, oh l'occasion, Werner, la deuxième, bon c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Moi je vous dis, depuis le début, je trouve que l'axe central, c'est pas faute d'avoir dit, hein. Non. Mais là honnêtement, ça peut être deux temps ça, Benoît. Ah, ça passe. Superbe, superbe ballon, là aussi, avec la frappe. Oh, il a tenté un petit extérieur, mais il y a de nouveau eu un retour de Rudiger, Benoît. Incroyable. Les gestes défensifs ce soir sont exceptionnels. Et parce que le choix était aussi très bon de la part de Foden, très bon l'extérieur du pied. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle, avec Havertz qui passe et qui ouvre le score. Eh bien, Chelsea, je vous le disais que c'était du kiff-kiff. Maintenant, il passe devant avec ce but sensationnel de simplicité. Tout à l'heure, City avait tenté la même chose avec Ederson. Il s'était planté. Ici, Chelsea va au fond. À la meilleure minute, la 42e, c'est parfait. Mais comment est-ce possible, Marc, de retrouver un Havertz seul dans l'axe? Vous avez assez parlé de cet axe central qui était aujourd'hui un peu en dessous. Mahrez, ouf, il était plutôt le contact là. Ah non, c'est Rudiger et De Bruyne. Hein. Ouais. Ouais, oui, mais Mahrez a le ballon à Ben. Mais là, le contact, c'est ouais. De Bruyne, Rudiger. Déjà, lui, avec son masque. Ouf. Alors. Il va donner un carton. Oui. Carton à Rudiger alors. Oui. Pourtant, je pense que c'est fortuit. Oh purée, il a déjà le... Ouais, regarde, vous avez vu le... Non, c'est terminé, il est dans le gaz le plus complet là, De Bruyne. Il est KO debout. Il est KO debout. Et vous avez vu déjà la... Ah ouais. le gonflement de l'œil. Ouais. Ça passe. Là, c'est bon, là. Ça, c'est bon, Foden. Les dribbles, justement, le voilà. Voilà, de Mahrez, elle est pas mal. Et Azpilicueta. Et voici cette première perforation avec les dribbles de Foden. Avec Foden qui s'infiltre, évidemment. Et ce manque de positionnement au premier poteau, c'est effrayant. Ça part souvent de la gauche, maintenant. Zinchenko, qui n'est peut-être pas forcément le meilleur centre du monde. Et là, il n'y a pas de faute non plus sur Gundogan. Golokante va mettre ce ballon dehors ou pas? Non. Oh, oh là là, c'était splendide ça. Mais quelle vitesse d'exécution. Si ça va au bout, c'est peut-être le but. Et là, il peut le donner aussi. Oh, il le fait. Et il va au fond. Oh, oh, dommage. Oh, pardon. Pardon, supporter de City. Pardon, mais là, franchement, ça méritait d'aller au fond. Ça méritait d'aller au fond. C'était ça, le football. Oh, quelle action. Mais quelle action. Walker,
Il n'y va pas, Mendy. Il n'y va pas avec ses ballons qui traînent. Ça va repartir maintenant. Ouh, pendant une seconde, il y a eu un moment de panique dans les rangs de Chelsea. Les fesses de Tuchel se sont serrées comme jamais. Mendy n'a pas bougé, n'a pas esquivé un geste. On touche le fond et Tuchel va vous faire un bras d'honneur au PSG qui, à mon avis, là, doivent l'avoir mauvaise. Hein. Mais Tuchel, et il vient directement serrer la main de Pep Guardiola. À l'image, elle est belle. Et ils ont raison de la montrer là maintenant. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Lays, sponsor de l'UEFA Champions League.